Chill vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Permettez-moi, s'il vous plaît, ce soupir. Permettez-moi ce soupir de reconnaissance, de joie, de enfin, oui. Car vous m'avez manqué de ouf. Une journée seulement sans vous, c'est comme une éternité. C'est fou, quoi. Je suis devenue accro à vous, les McDouzeurs. C'est ouf. Attention à ça. Attention. Alors, enfin, un lundi, une nouvelle semaine remplie d'opportunités. Surtout d'opportunités de vous conduire une fois de plus au bal de la qualité avec une équipe déjantée, une équipe très déréglée. Oui. Et qui ne cessera jamais de vous montrer, prouver et vous dire surtout que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDouze. Bonjour les gars. Bonjour à vous, chez McDouzeur. Merci d'être des accros du McDouze. Jacken, ouais, Lynn. Tu fais ton comeback? Oui, le comeback, c'est, ouais, le, ouais, c'est ouais. Le grand retour hein, de Jacken. Welcome. Et puis tu es bien tombé, en plus tu reviens le jour de ton anniversaire. Oui, c'est vrai, je suis un homme très comblé, je suis très très comblé aujourd'hui, puisque effectivement, en plus du grand retour, en plus de retrouver la team Lynn Banti et DOH et toute l'équipe hein, technique, aujourd'hui c'est mon anniversaire aussi, je souffle une bougie de plus. 26 juillet, et depuis que du 25 on est passé au 26, ça crépite partout hein, au et téléphone. Ça crépita. Ah oui. Les messages Facebook, WhatsApp pour me souhaiter joyeux anniversaire, c'est très émouvant, c'est très touchant. Merci à tous, très ravi de vous retrouver. Au nom de tous les McDouzeurs, je demande à quelle heure on coupe le gâteau. C'est ce qui nous intéresse. Sinon, tu as fait un beau discours, on a apprécié. Le discours, il est beau. Mais tu n'es pas là l'essentiel, le au fait. On va couper tout simplement ce soir. Voilà, on va en fait, c'est une coupure symbolique. En attendant de réorganiser ça de façon grandiose, je pense que tout le monde sera informé. D'accord. Sinon, DOA chez toi, ça va? Oui, super. Hein. Ouais, surtout que, voilà, on s'est réveillé avec la grâce divine. Hier, c'était dimanche. Donc, tous les bons chrétiens, tout était à l'église. Tranquillement. Ouais, ouais. C'est une façon de vous lancer un appel quoi, pour vous dire que j'étais là-bas. Allez à l'église. Le seul moment où il part à l'église, il a envie que tout le monde sache qu'il est là à l'église. Tu sais qu'à l'église, il n'y a pas que les dimanches. En fait, il fait partie de ces chrétiens qui partent et puis ce sont ceux qui font beaucoup de selfies. Oui, beaucoup c'est de ça. Non, on n'a pas besoin de faire bruit. On ne fait pas des selfies à l'église. Alors, joyeux anniversaire une fois de plus à toi, Jacques. Merci, frère, et puis, je suis très ravi de vous retrouver, cher McDouzeur. Génialissime semaine. Excellent jour de l'UNIAS 10. Que le McDouze commence. Et oui, le McDouze, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. C'est une nouvelle semaine qui commence rempli d'opportunités, mais surtout rempli d'événements. On va pas tarder, on va directement aller pour l'instant annonceur. Et pour cette première partie de l'instant annonceur, nous recevons sur ce plateau Alvin l'aventurier et DJ Max Le Zeus. Il représente la boîte, ou encore je dis c'est ça, la discothèque au niveau international discothèque. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien les gars? J'adore le design du t-shirt. Oui, c'est doré, noir et tout, c'est chic. C'est quoi. Chic. Alors, la réouverture du haut niveau discothèque international acte 3. Ouais. C'est-à-dire il y a eu acte 1, acte 2 et le jeudi c'est l'acte 3. C'est l'acte 3. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'acte 1 et l'acte 2? Bon, l'acte 1, c'était la toute première fois où le haut niveau a été créé. D'accord. Après ça, on a fait une petite toilettage. Mmh. On a fermé, on a fait la réouverture. Après, c'était le haut niveau. D'accord. Après, c'est devenu le haut niveau international discothèque. Mmh. Maintenant, l'acte 3, ça vient en haut niveau international discothèque acte 3. Ah, d'accord. Et quelle est l'innovation du haut niveau acte 3, en fait? En fait, l'innovation de haut niveau acte 3 actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de changements, en fait. Mm-hmm. Il y a beaucoup de changements parce que le design a complètement changé, le personnel a complètement changé, à part les deux que vous voyez sur le plateau ce matin, voilà.
C'est nous deux seulement, on est restés. Les rescapés. Okay. Ou bien, on ne change pas l'équipe qui gagne. En fait. Bon, tant mieux, tu connais. Les autres sont allés. Vous abandonnez ou bien vous les avez chassés. On ne sait pas. Il faut renouveler. Le navire a coulé. DiCaprio est parti. D'accord. Alors, donc, il reste que Alvin et DJ Zeus. Et le jeu, vous nous invitez ce jeudi-là. Ouais, Zeus, c'est toi qui es le DJ de la boîte. Est-ce que c'est toi qu'on retrouvera au platine ou bien tu as mis un bon petit là pour gérer le truc, puis toi tu coordonnes la sélection? Ok, bien avant ça, bon, je voulais rappeler que le haut niveau a sélectionné que 4 DJ. Oui. Voilà. On a le DJ Caporal. Oui. Et puis le DJ Chico qui doit quitter de la Côte d'Ivoire pour venir. D'accord. Voilà, éventuellement, voilà, qui doit être là. Et puis bon, il y a... En fait, je sens que, tu sais, DJ, tu es inspiré. Donc, nous, les DJ qui tapent, ils font toujours. Mais là, tu vois, je sens que tu veux me communiquer l'ambiance qui va régner. On va aller plus vite. Voilà. Voilà, on va pas taper la table, bon, voilà, mais on va partir. Pour ce jeudi, 29G, voilà. Mm-hmm. Voilà, j'invite tous les Ouaralais, voilà, à venir, voilà, parce que. On va mettre le paquet. Mmh. Voilà, ça ne serait pas comme le haut niveau. On va monter le mercredi pour que ça soit plus que le 2. D'accord. Voilà, puisque actuellement on est au 3. Ok. Alors, Lynn, tu sais que dans l'univers des boîtes, des nightclubs aujourd'hui, il y a des transferts comme si on était dans un club de football. Ouais. Vous voyez un peu, quand il y a une discothèque qui doit ouvrir, il y a des managers qui quittent ou on débauche de par-ci, de par-là. Quels sont effectivement les managers que vous avez débauchés? Bon, nous avons débauché deux managers. Mmh. Ouais. Sheki Manager et Jonas Manager. Okay. Qui viennent d'où? Qui viennent du... Bon, je n'ai pas... Je vais pas... D'horizons diverses. D'accord. Alors, sinon, pour ce programme du jeudi de l'acte 3, qu'est-ce qu'on... Nous, qui aimons bien gazer, qui aimons bien nous amuser, là, qu'est-ce qui doit nous motiver à arriver au niveau discothèque? Ok, d'accord. Pour ce jeudi 29... Nos portes sont ouvertes à partir de 20h. Oui. Maintenant, la motivation, c'est quoi? Nous vous laissons vous-même découvrir ce qui va se passer. D'accord. Parce qu'il y a trop de surprises, au fait. Mm-hmm. D'abord, nous avons envoyé 10 nouvelles hôtesses depuis la Guinée. Terrible. Ouais. Ça devient intéressant. Très, très intéressant. Oui, ouais. Donc, c'est ça. Les mecs, ils ont déjà vu. Ouais, c'est l'accueil. En fait, c'est ça, voilà. C'est l'accueil. C'est très rare de voir ça, hein, de voir également que des grands nightclubs également débauchent des hôtesses depuis la Guinée. D'autres horizons, vous savez, le haut niveau est vraiment spécial. Okay. C'est un bar à part entière dans toute la capitale du Moyen. Ok. Alors, depuis, on parle du haut niveau, mais franchement, où est situé le haut niveau? Merci beaucoup. Si vous quittez peut-être le centre-ville, mmh. vous montez le changeur de Gounguin, vous descendez juste après la Sonabi, vous regardez juste à votre gauche, le haut niveau est situé sur le tronçon à gauche, juste avant la station Shell, peinturé en tout blanc, dans la journée. Si c'est dans la nuit, tout est lumineux en fait. Donc la lumière, toi-même tu captes la lumière automatiquement et puis tu te retrouves. D'accord. Alors, comme la plupart des boîtes actuellement, ils ont des programmes, des journées, du jour du marché, jour de ci. En dehors de ce jeudi-là, est-ce que le haut niveau va nous proposer des journées, des matinées, des grandes soirées? Ouais, effectivement, ça va venir avec le temps puisque c'est déjà l'ouverture. Dès qu'on va faire l'ouverture, on prolonge un peu et puis là, on organise maintenant des concepts. D'accord, donc c'est de 20h jusqu'à l'aube. De 20h à 6h. De 20h jusqu'à 6h. Tous les jours. Et pour les réservations? Ou bien on ne fait pas des réservations, tu arrives et puis tu payes. Non. Pour les réservations, vous pouvez contacter, je peux? Oui, bien sûr, allez-y. Vous pouvez contacter le 75 36 02 28. Dès qu'on va rappeler le numéro? Le 75 36 02 28. D'accord, donc minime pour réserver un salon chez vous? Bon, un salon, c'est-à-dire avec une bouteille peut-être de Moët, 5 personnes. 5 personnes. Ouais, pour une bouteille. Pour une bouteille. De whisky, par exemple. D'accord, voilà. Ok, c'est bon ça. Mais pour ceux qui aiment faire le malin avec les cortèges, parce que moi j'adore ça, tu vois, il y a des hôtesses s'alignent et puis on crie champagne, il faut combien par exemple? Il faut économiser combien pour pouvoir faire ça? Si tu veux faire le malin, tu viens avec un budget de 500 000. 500 000. Avec 500 000 francs, ça peut faire. Ça peut faire. Le maxi ou le minimum? Le maxi. D'accord. Ouais, le maxi, okay. 500 000, c'est bon. 500 000, c'est bon. Si tu veux vraiment, vraiment te montrer, tu prends une bouteille de champagne Runa, la bouteille seule fait 100 000 déjà.
Ouais, d'accord, on verra bien. Alors, donc rendez-vous pour la réouverture du haut niveau international discothèque Act 3 ce jeudi au haut niveau discothèque Act 3 à partir de 20h. Merci beaucoup à Alvin l'aventurier, à DJ Max le Zeus, on sera de la partie et revenez quand vous voulez, c'est votre maison. Vous pouvez même revenir le jour J même. Le premier, ça sera très ravi de vous recevoir. Je vous dis, non, venez le jeudi même à 7h là, ça va encore plus motiver. Les Ouagalais également vont prendre note. Voilà, tu sais, parfois les Ouagalais ils oublient vite. Donc si vous revenez le jeudi, c'est la répétition et pédagogie. Il faut revenir encore le jeudi pour nous notre annonce. On sera ravis. Un heureux anniversaire. Oui, merci. Tout ce qui est bon dans ta vie. D'accord. Amène à tes propres vœux. Alors les gars, on vous raccompagne avec ce délice musical. Merci. Nana mine nana ye, wala muso tembe teke samaye, sama bele bele ye, mo muso tembe teke nana ye. Nana mine nana ye, wala muso tembe teke samaye, sama bele bele ye. Mama umu dili dengele itai kouye, mama dusi sogo dengele itai kouye, mama umu dili dengele itai kouye, mama dusi sogo dengele itai kouye. Ala yeso diye vemela, aine temene nyongo na bela. Barka dama savaye mode mi senu bebe iba fe hali magroba bebe iba fe ne yekuba de gera bula jinya be ka kula ne re togola ne jugu de be yera sangana ani rabute ne be ke fanye nunu bebe sanga kane toye ube na doko ne tae dagaye matoma tingi ya manga balula na sanga tingi ya manga. Se poursuit et cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Marcel Panucci, le dur. Bonjour. Bonjour. Yeah. Bonne arrivée. Merci. Logiquement, on devait dérouler le tapis rouge parce que, quand même, c'est un champion. C'est pas tout le monde qui fait yé. Toi, tu fais comment? Moi, je fais yoga. Tu vois, c'est pas tout le monde. Alors, je nous visite aujourd'hui. Oui. Et je voulais te devancer en vrai, donner l'information. Je suis tellement contente, tellement excitée comme une puce, mais bon, on dit que le genou est là. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, je vais te laisser calmement nous donner les nouvelles. Alors, Maïsial, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Mac 12, merci à vous. Alors, ça fait plaisir d'être là. Non, c'est nous qui te remercions. Ouais. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors, la grosse nouvelle, il n'y en a qu'une seule, c'est que c'est le vendredi, ce vendredi, donc 30 juillet 2021, à 20h21, 21 secondes, pour que les gens soient à l'heure. Ah ouais. Et ça va se passer au Sénaza. C'est un grand concert live que j'organise. Voilà, ça fait pratiquement presque 5 ans que je suis au Burkina. Donc j'ai pensé qu'il fallait vraiment communier avec le grand public burkinabé et donc ça va se passer vendredi 30 juillet 20h21, 21 secondes au Sénaza. D'accord, alors vendredi 20h21, 21 secondes, quel est le répertoire qui sera joué? Comment tu pioches le répertoire actuellement? Alors moi je suis à mon 4e album solo. Parce que j'en ai fait avant avec d'autres groupes et tout. Donc là, ça va être un mélange de tout ça. Mais surtout, la mise en lumière du dernier album qui est hashtag 2020 chronique, entre parenthèses, les chroniques de la décolonisation. D'accord. Donc ça va être ça. Et ça va être 100% live. Et on te sait très dénonciateur, on te sait très activiste. Est-ce qu'on aura droit qu'à ça? Ou bien il aura d'autres choses? Ben, on va pas tout annoncer ici, sinon après, il n'y a plus de mystère. venez au Sénaza. En même temps, peut-être on aura peut-être cette information-là. Sur hashtag 2020 chronique, on retrouve également Marcel Panucci en collaboration avec plusieurs artistes. Oui, artistes. Voilà, est-ce que ces artistes-là seront présents au Sénaza? Exactement, tous les artistes qui ont participé dans mes différents projets seront là. C'est pour ça que ce n'est pas juste un concert live, mais c'est un spectacle. Donc, on aura Basta Genga, on aura Déo de la Paix, on aura Joey le Soldat, on aura Cynthia, la rappeuse, on aura Nourat, la Lion, on aura Sa Majesté Ascoy. On aura
Joey le soldat, ouais. On aura Supreme Nabiga, on aura TCM, en tout cas, donc il y aura Dijon, il y aura Fallo, il y aura Unixon. Ouais, c'est à peu près ça, mais c'est Martial Panucci en avant. Voilà, les autres viennent en renfort et on va faire un beau spectacle. Il ne faut pas rater ça. D'accord. Ouais. Alors, généralement, les stars, quand ils choisissent une date, il y a une histoire derrière. Est-ce que toi, c'est quelque chose de particulier ou tu as juste pris au pif? Non, c'est moi en fait, c'est tombé au 30 juillet parce que voilà, il y a eu pas mal de reports. C'était prévu pour mars et finalement on le fait en juillet parce que après c'est un peu plus compliqué avec mon calendrier. Voilà. D'accord. Et tout ceci pour combien? Ben le pass est à 2000. Mm-hmm. Voilà, c'est 2000 balles, donc c'est pas beaucoup. C'est 2000, mais non, à partir de il y a des packs en fait. Mm-hmm. Si tu veux avoir en plus du ticket d'entrée, tu veux l'album. Là, ça te revient à 5000 et on t'ajoute un autocollant. Et si tu veux avoir l'album, le ticket d'entrée, plus les deux derniers singles que j'ai sortis, donc mon Kondiaza Mohibi et puis Kake, ça te revient à 10000. Et si tu veux avoir le t-shirt, hashtag les chroniques 2000. De la colonisation, ça te revient à 15000. Donc, ajouter à cela l'album, les trois CD et tout ce qui va avec. Ouais. Et enfin, parce que moi, je suis aussi écrivain, donc j'ai sorti mon deuxième livre ici au Faso. Donc si tu veux avoir et le livre et le t-shirt et les CD qui vont avec le ticket d'entrée, ça revient à 25 000. Mais sinon, le pass est à 2 000. D'accord. Les lieux de vente? Bah, les lieux de vente, on a Yaibi Fashion, on a le Maki à la Bien à Tampuy. Mm-hmm. Donc Yaibi, c'est au 1200, c'est vos voisins. Mm-hmm. Et on a chez Karambiga à Wemtenga. On a aussi les studios Yekre Record, le label donc à Saba. Et puis il y a plein d'autres endroits. Si on se met à citer tout ça, on va finir l'émission. Raison pour laquelle on va demander l'info line pour ceux qui veulent plus d'informations. Bah, voilà, il y a le 61 69 41 64. Sinon, le 55 29 41 60. Ou vous allez tout simplement sur www.martialpanucci.africa. C'est mon site web. Mm-hmm. Et là, il y a toutes les infos. Sinon, aussi ma page Facebook. Martial Panucci officiel. D'accord. Alors, on va se faire un beau récapitulatif rapidement. Oui. Date, lieu, heure, prix d'entrée. Ben, ça, c'est 2000 francs, ok. La date, c'est le 30 juillet, donc ce vendredi. Et ça va se passer au Senasa. L'heure, c'est 20h, 21 minutes, 21 secondes. Soyez à l'heure parce qu'on nous dit souvent qu'on ne respecte pas l'heure. Donc, on va prouver le contraire. Ouais. Et donc, ceux et celles qui viendront en retard auront loupé forcément quelque chose. Donc, soyez à l'heure et ça se passera au Senasa, voilà. D'accord. Tu sais, chez nous ici, on a une manière très facile de susciter l'envie d'achat. Okay. Je vois des tickets, on va dans l'esprit des McDouzers. On va se faire un beau petit freestyle rapidement. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu le truc. Projet. Ok. Ok, ça fait... Allô Braza, ici Ouaga, y'a quoi de neuf? On a cru entendre que le dictateur était mort, mais ce n'est que du bluff. Bref, on espère que tout ira mieux là-bas. Ça ne t'achète pas le respect, tu veux comprendre, demande où est passé le RSP. Tenez les rangs, la lutte ne faiblira pas en but, mais on ne reculera pas. Le difficile reste à vers le premier pas. C'est vrai que l'hésitation devient trop grandissante face à la répression qui se maintient menaçante. Mais dorénavant, la rue mugit, la rue rugit, faut qu'il la sente. Cette relation d'inceste devient trop pas cassante. Pendant qu'on crie et crève, ils font semblant de ne rien entendre, alors il faut qu'on se lève. L'heure est grave, l'heure est grève, la jeunesse s'en bave, mais reste brave. Hein? La jeunesse s'en bave, mais reste brave. Flo, merci beaucoup. Merci. Rendez-vous ce vendredi 30 juillet au Senasa à partir de 20h, 21 minutes, 21 secondes. Prix d'entrée, ça va être lourd. 2000 francs. Pour plus d'infos, référez vos numéros que ça s'affichera juste en bas de votre écran. Merci beaucoup, Maïsia, d'être passé sur le plateau. Merci de nous avoir fait confiance. Et comme Maïsia, elle est encore la discothèque au niveau international, n'hésitez pas à contacter le service commercial au numéro aussi qui s'affichera juste en bas de votre écran. Merci une fois de plus de nous avoir fait confiance. Merci. On vous accompagne avec ceci. Tu
Alors, retour en plateau et je sais pas si vous avez vu cette étincelle en fait dans l'air, cette magie qui s'est dégagée à travers cette chanson, ce bonheur, ce grain de folie, de petits nuages de bonté, d'apaisement qui se dégage à travers cette chanson. Moi, je suis sûre que si je l'ai constaté, c'est clair que vous, les MacDouzeurs, vous l'avez constaté. Et vous le saviez bien, chez nous ici, quand c'est bon, on bisse. Donc, comme la chanson est bonne, on a tiré même l'artiste comme ça. Viens nous parler de ta chanson. Faut venir t'asseoir. Viens t'asseoir, tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe. Alors, Chandre Leila est avec nous. On va la retrouver maintenant dans l'instant. Invité. Bonjour Chantre. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Au moment de la chante, quand on a entendu, soyez bénis dans la paix du Seigneur. Vous ne nous avez pas fait ça. J'ai dit bonjour, je vais bien, soyons bénis dans la paix. Amen. Là, on sent qu'il y a une chante dans les parages. Il y a l'onction. Chantre, avant de parler rapidement de votre carrière, on va faire un tout petit exercice, un tout petit éclaircissement. D'accord. Voilà. Et on le fait à peu près avec tous nos chantres qu'on reçoit sur ce plat et tout. Donc, stop, ça vous va? On peut partir? Ça va. Super. Alors, chantre, est-ce que vous prenez les cachets? En tant que chantre, est-ce que vous chantez, vous prenez l'argent? Non, c'est pour la gloire de Dieu, et puis on rentre chez nous à la maison. Non, pour le moment, je ne prends pas de cachet. Vous ne prenez pas de cachet? Non. Non, je vous invite chez moi, vous venez vous chanter, puis alléluia. Exactement. Ça, c'est bon. Lui-même, pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi. Bon, pour le moment, je viens de commencer. Et mon single, je le présente, bon, la preuve, quand on a fait les CD et on m'a demandé à combien tu vas vendre le CD. J'ai dit les CD d'abord ne sont pas d'actualité. Je n'ai pas fait de clé USB parce que c'est un single. Et à toute personne qui veut le CD, je l'offre. Oh, alléluia! Alléluia! Je suis merveilleux! Acclamez le Seigneur! Merci! Alors, les lieux de prestation, chante. Oui. Est-ce que vous triez les lieux de prestation? Parce qu'il y a des chants qui sont passés, qui nous ont dit que eux, franchement, il y a des endroits où ils ne peuvent pas mettre le pied là-bas. Parce qu'il ne faut pas tenter le diable. Oui. Pour le moment, comme je dis, je viens. Pour le moment. Pour le moment, comme je viens de commencer. Okay. Mes prestations, généralement, je les fais à l'église. D'accord. Parce que j'ai eu des invitations des églises. C'est pas exclu que j'aille ailleurs si j'ai une invitation à la maison du peuple, en famille. Voilà. Sinon, pour le moment, moi, je voudrais. Non, déjà, vous bookez à mon anniversaire. Il y a le haut niveau, il y a beaucoup de lassos, il y a beaucoup de vous. Mais tout ça, comme c'est cadeau, vous voyez, non, il n'y a pas de problème. Moi, voilà. Ou bien vous venez de transport aussi. Non. Voilà, tout c'est gratuit. Alléluia. Amen. C'est pour la gloire. Alors, sinon, quelle est votre plus belle gratification jusqu'à ce jour? Je dirais ma plus belle gratification, c'est ma famille. Voilà, je bénis le Seigneur pour ma famille. Nous avons la paix, nous avons la santé. Et quand je rentre à la maison après le boulot, je les vois, je vois les enfants. C'est vraiment... C'est waouh, c'est génial. C'est génial. C'est mais jusqu'à là, il n'y a pas quelqu'un, dans une personne lambda qui écoutait votre musique, vous dit « Ah, Chandre, votre musique m'apaise. » Comme nous, actuellement, sur le plateau. Oui. Je me rappelle que j'étais en congé de maternité quand il y a une dame... parce que je n'étais pas ici au pays. Mm-hmm. Elle m'a appelée, elle a dit, elle passe par des moments difficiles. Mais en fait, c'est cette chanson-là qu'elle remet pour s'endormir. Mm-hmm. Donc, j'ai compris par là, en fait, qu'il y avait quelque chose dans la chanson. Et si je peux, vous me permettez, je vais un peu expliquer les circonstances dans lesquelles la chanson est venue. Mm-hmm. Je crois que Dieu m'a fait un don de chanter. Okay. Et j'aime bien chanter. Et alors, c'était une cérémonie qu'on avait à la maison. Et ma belle-mère m'a invitée à prendre quelque chose pour elle dans la chambre. Et quand je suis arrivée dans la chambre, je tournais, je ne savais plus quoi prendre. J'ai oublié, en fait. Et c'est là, j'étais en train de tourner. Et puis, le refrain est venu. What did Peggy, 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 turn away now? J'ai dit, j'ai pris immédiatement mon portable. Et puis j'ai enregistré. Et après, je suis allée au studio. Et dès que parce que j'avais commencé déjà les autres chansons de l'album. Mm-hmm. Et dès que je suis entrée, j'avais fait 3-4 chansons avec l'arrangeur. Et quand j'ai entonné cette chanson, il m'a dit, waouh, madame,
on va faire un single avec cette chanson et en arrière, on va terminer l'album. Donc, j'ai compris que c'est quelque chose qu'il y a dans la chanson et c'est comme ça qu'on a lancé le single. D'accord. Sinon, mais comment vous avez reçu l'appel? Parce que à la base, vous êtes juste choriste. Mais comment on se dit, ça, il faudrait que je parte chanter pour Dieu, je parte annoncer la parole de Dieu ailleurs, autre que mon église, autre que mon entourage. D'accord. J'ai fait mon enfance à Bobo, une partie. Et maman nous a menés à l'église. On partait à l'école le dimanche avec les autres enfants. On a appris à réciter les paroles de la Bible, les versets. Et puis, un soir, je me suis endormie. Et j'ai rêvé, je me suis vue en train de chanter une chanson. Et puis, quand je me suis réveillée le matin, je l'avais oubliée. Et l'après-midi, je pense que ma maman était sortie. Quand elle est revenue, je lui ai dit, dans mon sommeil, j'ai vu quelqu'un qui m'aidait à chanter. C'est comme, je vais dire, c'est comme si c'était un ange. Mais quand je me suis réveillée, j'ai oublié. Et elle a dit, dès que tu reçois ce genre de choses, tu te réveilles, tu écris. J'ai dit, ah, d'accord, donc on va faire comme ça. Et après ça, ça venait. J'écris les chansons, soit j'enregistre. Il y en a tellement, mais avec les circonstances, il y en a aussi qui sont bons. D'accord. Bon, j'ai une petite question pour notre chante. Vous définissez le début de votre carrière maintenant, mais pourtant vous étiez en activité depuis 2003. Depuis 2003. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous définissez le début de votre carrière? Merci bien pour la chanson et pour la question, pardon. En 2003, j'ai vraiment intégré un groupe musical, un groupe de louanges dans l'église où je fréquentais. Et j'ai chanté, je chantais, je dirigeais par moments la louange et l'adoration. Et c'est en 2014 que j'ai eu à cœur de rentrer en studio. Et maintenant, on a commencé les chansons, c'était pas simple. Et même que souvent, mon arrangeur m'appelait, s'il te plaît, viens terminer ton album, parce qu'il y a eu tellement de circonstances. En 2014, je suis rentrée, j'ai commencé, et en 2015, il y a eu le mariage, en 2015, il y a eu le premier bébé qui était là, il fallait s'occuper du premier bébé. Les grâces enchaînées, en fait. Oui, en 2017, il y avait le deuxième. Donc, ça s'était enchaîné. Il y avait tellement d'albums. Donc c'est par, je dirais, par manque de temps et d'organisation, parce que je me rends compte, après un accouchement, il faut vraiment au moins 2 ans pour pouvoir se remettre. Exactement. Et voilà, pour pouvoir se remettre, et quand tu commences encore à, il y a autre chose qui vient. Voilà, c'est pour ça en fait que c'est maintenant que je commence la carrière, sinon j'ai commencé à chanter. D'accord. Alors, la plupart des chanteurs adorent impliquer leurs époux dans leur carrière. On voit ça, on a vu avec Dena Moana, on a vu avec d'autres chanteurs qui sont passés. Chanteur Sadia. Exactement. Ils aiment sous peut-être que non, quand on a besoin du mari, quand on marie à impliquer, c'est plus facile pour soi. Est-ce que vous, c'est votre cas? Non. Il n'est pas votre producteur, votre époux? En quelque sorte. Donc il est impliqué. Il est impliqué. Il y a quelqu'un qui est plus impliqué dans la carrière d'un artiste que le producteur lui met l'argent. Vous avez parfaitement raison. Ah oui. Ok, il est impliqué en arrière-plan. Mmh. Voilà. D'accord. Parce que sincèrement, je peux dire que c'est lui qui me soutient. Mmh. Mais vous voulez dire en fait qu'il vous accompagne pas en fait dans vos spectacles et tout. Bon. Plus ou moins. Il le fait, mais il est. Il est caché, d'accord. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il me soutient financièrement, il me soutient quand il y a quelque moralement chose. Moralement et tout. Moralement. Donc c'est pas, en fait, c'est pas le producteur. En fait, voilà les gars, voilà, les gars, vous comprenez. Pourquoi Aline, depuis tu ne chantes pas, depuis que tu ne deviens pas chanteuse. C'est vrai, la nouvelle chante l'éternel, on ne te comprend pas. J'ai pas encore d'époux. Parce que vous voyez, toutes les chantres, elles se font accompagner par leur mari. Ce sont les époux, ce sont les producteurs. Non, c'est ça. Ça, c'est le frigo du Kampala. C'est le frigo. C'est ce qui fait que depuis, vous voyez. Il n'y a pas de souci. On va terminer rapidement avant qu'on parte à la pub. Moi, je veux savoir vos projets. Parce que là le bébé, il est sur le marché depuis janvier 2021. Exact. Donc, la suite, qu'est-ce que pensent les mélomanes, les fanas? Et puis, c'est quoi les projets? L'album, finalement, il sort quand, tout ça? Ok. Pour ce single qui est sorti,
nous allons faire la promo. Parce que l'arrangeur, il voyait ça, on fait la promo du single, on se fait connaître, et puis on termine l'album. Maintenant, dans les projets, fin 2021, l'album est fini. Début 2022, l'album sera prêt, présenté, et voilà, il sera prêt. Et nous, on sera ravis de vous recevoir, d'ailleurs, pour la présentation de cet album. Hormis ça, le contact pour tous ceux qui aimeraient vous booker. 74 79 23 90. Merci beaucoup. Dans le numéro WhatsApp. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac. Merci d'être venu, madame. La saga des invités se poursuit. Ça se fera juste après la pub. Sans oublier aussi qu'il y aura un beau récap culturel qui vous sera donné par Jacken. À tout à l'heure. Et aromatisé au citron. Saga de la bonne humeur se poursuit. Vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Il fait son comeback aujourd'hui, le jour de son anniversaire. Il a tenu vraiment à satisfaire. C'est les amoureux culturels. Eh bien, il y en a plein qui se sont dit, mais attends, il y a longtemps, on ne sait même plus ce qui se passe dans la vie de Ouaga, Bobo Dioulasso, à Bonfoura, au Burkina en général. Je lui ai dit, Jacken, laisse ton anniversaire. Demain, tu vas parler. Il dit non. Il n'est pas lourd. Faut que j'ai pas lourd. Donc, on va le retrouver maintenant dans son instant à lui. Allez, c'est parti pour le récap avec Jacken dans l'instant Culture Art. Alors, bienvenue à tous les inconditionnels de QTA, la rétrospective culturelle et artistique sur le Mac 12. Alors, au cours de la semaine, comme tous les lundis, hein, c'est très chargé. Le Burkina Faso est un pays éminemment culturel. Il y a des concerts, il y a des sorties et tout. Mais là, nous retenons quelques éléments que nous allons partager avec vous. Alors, déjà, parlant d'éléments, on parle d'une sortie, hein, on parle d'un clip qui a été lancé. Il s'agit de l'artiste Mano. Voilà, Mano Idrissa, c'est son nom. L'état civil, c'est un gourmandier comme vous le remarquez à travers le nom, et il a lancé depuis le mardi 20 juillet dernier donc le clip Au Sommet, que nous vous invitons à voir un extrait. Ah oui, le sommet, le tout dernier bébé de l'artiste Mano. Le message ici, il est tout simple. C'est une invitation à toute la jeunesse burkinabé de bien vouloir travailler, de croire en son rêve quand on veut atteindre le sommet. Very good et bon vent à l'artiste. La suite, ça se passe du côté de Bobo Dioulasso dans la ville de Sia avec l'artiste Filingi Fache. Vous savez, à Bobo, il y a quand même hein, des grands artistes qui font la fierté de la musique burkinabé. En tout cas, en ce qui concerne la new generation, on a des noms comme Marco, Fighty Baby, Barack Lavador, mais on a aussi et surtout Filingi Fache qui a invité son public. C'était d'abord le 21, le jour de la Tabaski. Malheureusement, Dame Nature s'est invitée et le concert a été reporté pour le lendemain, le 22 juillet dernier. Eh bien, c'était un concert fou vu que malgré même qu'il pleuvait, parce qu'il a plu de jusqu'à 18h. Donc, malgré cela, les fans de l'artiste ont pris d'assaut le théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso et c'était phénoménal, c'était incroyable. Moi, j'ai été particulièrement impressionné par le concert, bien sûr, mais aussi et surtout par l'entrée. Ça a été une entrée de ouf que nous vous invitons à voir un extrait. Yeah.
Ah oui, Filingi, Fache, à Bobo Dioulasso au théâtre de l'Amitié. Je crois que le roi de la pop, Michael Jackson, de là où il se repose actuellement, il a de quoi être fier. Je pense qu'il a même bougé un peu dans sa tombe parce qu'il a été honoré par Filingi, Fache. C'était un concert phénoménal, en tout cas bon vent. Et bravo à l'artiste. On revient à Ouagadougou, précisément au palais des sports de Ouagadougou pour aller retrouver l'artiste Nino. Donc Nino qui a livré un concert incroyable, c'était le samedi dernier. Il faut dire que Nino, c'est vrai, c'est l'un des rappeurs les plus adulés actuellement du côté de la France, l'un des rappeurs qui a beaucoup plus de disques d'or, les disques de platine et tout ça. Mais il faut l'avouer concrètement qu'au Burkina, il n'est pas forcément connu, très connu par le commun des mélomanes. Il est beaucoup plus adulé par ces jeunes-là, ceux-là qu'on appelle en griffe les fils à papa, les enfants des bourgeois. Voilà, les swag, les petits benguistes et tout ça. On avait quand même peur pour ce concert-là. Fort heureusement, les jeunes ont pris d'assaut le palais des sports de Ouagadougou. C'était un concert de ouf. Il n'était pas seul sur la scène. Il était accompagné par Kaya Woto, Miss Tania. On a vu Imilo, le chanceux. Audrey, vous savez, désormais on appelle Audrey la poupée nationale. Et puis aussi Hugo Boss. Ils étaient nombreux pour accompagner Nino. C'était un concert aussi de ouf. Je vous invite à voir juste un extrait en image. Donc, retour pour prendre un vol. On va prendre un vol pour se retrouver du côté de la France. Voilà, donc atterrissage à l'aéroport Charles de Gaulle et on prend un train, 4 heures de route pour aller à l'Ajac. Voilà, donc ça c'est une ville de la France pour retrouver notre prix découverte RFI Candy Guira qui a livré un concert, j'allais dire un spectacle aussi grandissime. C'était à l'occasion de l'Africa Jacques. Donc l'Africa Jacques, c'est un événement qui donne le pouvoir aux cultures africaines, non seulement avec la musique mais aussi avec le cinéma, des expositions des arts africains. Donc Candy Guira a participé à cette 22e édition qui a eu lieu depuis le 22 jusqu'au 25. Elle aussi, c'était un spectacle incroyable que nous vous invitons à voir un extrait. Ok, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui tout en espérant vous retrouver Inch'Allah la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci. Merci beaucoup à toi Jacken, et nous de notre côté on va poursuivre avec la saga des invités. Notre second invité se distingue par son audace, sa plume mais surtout sa rage à devaincre. Des styles il en cesse d'en créer et de nous les imposer, comme quoi c'est lui l'artiste et puis c'est nous le public, donc c'est nous, c'est à nous d'apprendre, c'est lui qui nous éduque. Il définit sa carrière comme la plus belle histoire. Il dit, l'histoire ne fait que commencer. Lui, je dis quand je parle, il dit, ouais, il dit, c'est ça. Il est juste à côté. Lui, c'est Easy B que vous voyez maintenant sur vos écrans. Il a décidé de partager avec nous un tout petit bout de son parcours artistique. Il est peut-être jeune, mais comme on dit, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et il y a longtemps qu'il est quand même dans le milieu, même si c'est aujourd'hui que certains vont le découvrir. Easy B, bonjour à toi et bienvenue sur le plateau du McDo. Bonjour à tous, ravi d'être là. On est ravi de te recevoir également. Merci. Alors Easy B, moi il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vais chez toi. Il y a 4 ans en arrière, tu nous faisais du rap pur, quoi. Maintenant, tu es devenu chanteur. Tu veux dire quoi? Il n'y a pas l'argent dedans, comme ce qu'on lui dit, là. Et non, c'est pas ça. En fait, au Burkina, le rap, c'est pour les jeunes. Ah, ouais. D'accord. Le rap est conçu par la plupart des jeunes au Burkina. Ah bon? Oui. Smarty, c'est un jeune, c'est ça? Un vieux n'écoute pas le rap. Une vieille n'écoute pas le rap. Ok. Alors, donc, si tu fais du rap, c'est que tu as ta jeunesse. Et en plus, si tu veux te migrer peut-être sur la musique, le chant, là, tu berces tout le monde. Tu connais l'âge de Smokey? Et quand je vous dis que ouais, je fais du rap Je n'ai pas dit que tu es comme ça. D'accord, ok. Non, je comprends. Non, mais tu as raison, frère, c'est ton point de vue. Mais je dis ce que je pense aussi. Exactement. Okay, ouais. Je vous ai dit, il crée son style et il nous l'impose. Donc, vas-y. Easy B. D'accord. Yeah. Donc, c'est pourquoi bercer toutes les générations, atteindre plusieurs cibles que tu as décidé de changer de style. Ouais. D'accord. C'est Easy B. Il y a plein de personnes qui racontent dans le ghetto, dans le
le carré, que tu es très frustré aujourd'hui. Et que si tu te mets à l'écart, parce que tu vois, avant, dans la même génération avec beaucoup d'autres artistes, hein. Ouais. Je prends l'exemple avec Kaya Oto, tu avais beaucoup. Et aujourd'hui, ces gars-là sont devant. Pourtant, tu as commencé bien avant plusieurs. Non, c'est pour ça que tu te mets pas. Je ne sais pas si je commençais bien avant eux ou pas. Mm-hmm. Mais je sais qu'on est dans la même lancée, oui, en fait. Oui, voilà. Voilà. Donc, on dit c'est parce que tu es frustré que tu ne parles pas avec les autres et autres. Sinon, c'est ça. Non, c'est tout ce qu'on nous a dit. c'est pas tout. Ça. non, c'est pas ça. Je pense que c'est pas ce que les gens pensent. Mm-hmm. Moi, je suis plus enfermé sur moi. Mm-hmm. Pour plus apprendre. Mmh. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, je chante et je fais le rap. Enfermé. Et je fais autre chose aussi. Non, c'est pourquoi tu n'as pas assez de rapport avec les autres. Enfermé sur toi pour plus apprendre, c'est quoi? C'est une retraite spirituelle? L'autodidactie. L'autodidactie. Voilà. Mmh. Je suis autodidacte. Quand je dis je suis enfermé sur moi, moi je m'enferme pour apprendre en fait. Mmh. Voilà. Sinon, je fais le rap, je fais... l'afrobeat. D'accord. Moi je fais le zouk, je fais le reggae. Mais c'est parce que ça me plaît en fait. C'est pourquoi on te retrouve pas avec les autres gars de ta génération, tout ça. Comment ça? Parce que c'est ce qu'il se raconte au fait. Nous on a essayé de checker un peu de gauche à droite. Pourquoi il fait pas des filles? Pourquoi on le retrouve dans les... tu vois, sur les... Par exemple, je prends le concert d'autres personnes, on ne t'a pas retrouvé sur scène, pourtant on a retrouvé plein de crèmes. Ah mais là, moi j'étais dans le public en fait. Mm-hmm. Voilà. Ah. Non, tu étais là, mais dans le public. Dans le public, pour les soutenir. Pour les soutenir. Ah, parce d'accord. Que c'est des confrères aussi. Donc si je donne pas un coup de pouce. Mm. Du coup, ils ne le feront pas à mon tour. Ah, ouais, d'accord. Donc, tu n'es pas un rageux, au fait. Non, juste que tu es dans l'ombre. Rage, ouais. Ah, d'accord. Alors, vu qu'on t'appelle aussi le roi de l'impro, on dit que tu es un gars qui aime bien improviser, du tic au tac. Est-ce que quand tu rentres au studio, c'est sur un coup de tête ou bien tout est bien planifié? Tout est planifié, en fait. Mm-hmm. Ouais, mais ça arrive que souvent, j'improvise en enregistrant. D'accord. Sinon, j'aime vraiment m'asseoir, prendre le temps d'écrire, prendre le temps de coordonner, prendre le temps de bien chanter. D'accord. Et quand t'as pas l'inspiration, qu'est-ce que tu fais généralement? Mais je force pas, je dors. Non, tu fais pas les... Non. Ouais. Ah, si tu fais pas les petits trucs, Non, quand je suis pas inspiré, je force surtout pas. Ouais, je pars, je dors tranquille. Voilà, peut-être à penser à autre chose. Alors, penser peut-être à ma mère. Sans ok, alors on dit souvent que l'homme, c'est l'homme qui fait l'homme. Hein. C'est chez nous ici, la force de notre équipe, c'est nous trois. C'est-à-dire que Jacken me fait, il fait dos, il fait Jack. Ouais. Tu vois, ensuite. Et nous, on remercie beaucoup de personnes sur notre parcours. Mm-hmm. La preuve, les MAC 12 heures, c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui, tout ça. Ouais. Est-ce que toi, sur ta route, tu as eu des coups de pouce ou bien... Bien sûr, j'ai eu beaucoup de coups de pouce. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Mm-hmm. Et je le dis d'abord, merci. Hein. D'accord. Voilà. Pour ces personnes depuis le début qui ne cessent de me donner un coup de pouce. Oui. Mais la réussite, ce n'est pas quelque chose qui est dangereux, qui est immédiat. Mm-hmm. Merci pour le mot. Donc, il ne faut jamais être pressé, en fait. Mm-hmm. Voilà. Tu as beau taffer, tu as beau être là, mais attends ton jour seulement. Alors, moi, j'ai quelque chose que je n'ai pas capté dans ta biographie. Okay. Je ne sais pas si les garçons, vous avez remarqué ça aussi. Mm-hmm. On me dit qu'il est le fondateur de deux groupes, exact. 80 Pirates et Black Star. Okay. Et ça dit que tu es aussi producteur? Et à la fois, oui. À la fois, donc chanteur, rappeur, auteur, compositeur et producteur. Auteur, compositeur, arrangeur, réalisateur, producteur. Ah, d'accord. et tu te sens à l'aise dans quel trou, je peux dire ça comme ça? Mais dans la réalisation. Dans la réalisation. De clips vidéo, de sport et de cinéma. D'accord. Je me sens plus dedans. Ah, donc la musique, c'est juste un passe-temps, quoi. Juste un truc. Je ne suis pas passion, en fait. Je ne fais pas un passe-temps, mais je le fais par amour. Par amour. Et par passion. Par passion, d'accord. Alors, ce sont tes artistes. Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour eux? Puisque tu as toi-même ta carrière à gérer. On dit un petit, mais pas gérer un petit. Tu dois faire photo. Mm-hmm. Tu dois faire la vidéo. Non, tu fais la vidéo. La réalisation des clips. Tu dois composer. Tu dois produire, arranger d'autres artistes. Un petit peut former un petit. Est-ce que tu arrives à donner le meilleur de toi-même? Surtout qu'il y a Malaise 2.0, je crois, qui sort bientôt. Bientôt, avec l'aide de Dieu. Exactement. Est-ce que tu arrives à... Il est étonné, c'est drôle comment j'arrive à connaître tout ça sur lui. Il me regarde avec ses yeux comme ça. Mais c'est ça la magie aussi de mon boulot. Bien sûr. Tu arrives à agencer tout ceci. Est-ce que tu as le temps pour tes artistes et le temps pour toi? Ouais. Déjà, je n'ai pas le temps pour moi. Mm-hmm. Parce que je suis beaucoup enfermé sur moi à apprendre. D'accord. Voilà. Puisque moi, je suis quelqu'un, j'aime apprendre. Et c'est sur les bases que j'ai citées là. Mm-hmm. Je suis beaucoup fixé sur ça, en fait. Ok. Voilà. Donc, ce qui fait que je n'ai pas le temps peut-être pour d'autres gars. Si vous remarquez... Dans les grains, je ne suis pas présent. Mm.
dans le quartier. Il n'a pas le temps pour boire le thé, lui, il travaille. En fait, tu avec travailles. Avec les gars, vraiment, je suis donc, enfermé sur moi. Ok, donc, mais tu as le temps au moins pour produire tes artistes. Bien donc, sûr. Ton temps, tu consacres aux autres. Ah non, c'est pourquoi tu n'as pas le temps d'être dans les grands événements. Ok, d'accord, tout s'explique. Alors, avant de parler de ton tout dernier Soweto, on va d'abord le déguster et revenir faire les commentaires, ça te dit ? Ça marche. Super. Merci. César, c'est quand tu veux. Je veux la ouais sans la câliner. Rouge ou vert, je veux la mandriner. J'suis un gang, je veux la broliquer. TP, LF, RR, mais c'est sa crabi sans béchir, ça valide. TP, LF, RR, mais c'est sa crabi sans LL, sans charbonner. Soweto, oh, 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 oh. Pas sans doudou, elle me dit croné, France de mon toutou. J'suis dans les yards, je vois plus mes photos. Très grosse balle, très phobé, toutou. Salam alaikum à mes frères de Babi. Salam alaikum à mes frères de Biba. Alors, j'aime bien Soweto, félicitations. C'est sorti il y a combien de temps maintenant? Disons une semaine. Une semaine. Bon, ouais, une semaine. Oh, ça vaut pas une semaine. Tu sais, semaine, au départ, je sentais que je t'avais trop accéléré. Je vais devenir gentil maintenant avec toi. Je t'ai speed avec toi. Je sentais, tu vois. Non, mais. Mais tu sais, Kiki, t'aimes bien, châtie bien. Moi, je suis speed aussi, hein, parce que je suis chaud comme la glace. Ouais, c'est bien. Donc, on peut s'entendre. La glace. Alors, sinon, c'est quoi l'idée? Sinon, c'est quoi l'idée générale de Soweto? De Soweto, c'est un son que j'ai enregistré pour rendre hommage aux filles qui sont aux filles dont je dirais on va essayer de paraphraser en fait. Non, explique. Moi, je dis les filles au service de la nation. Ah, d'accord. Ah. Je les appelle comme ça, moi. Qui donne seulement. Je n'ai pas dit elle donne. Non, je dis au service. Elle donne pas, mais elle partage. J'ai dit au service de la nation. En fait, en gros, tu parles des filles qui sont un peu trop faciles. Non, pas faciles. Mmh. En fait, des filles qui taffent dans le marché noir. Ah. Pour ne pas dire leur nom. Voilà. Comprenez. Ah, c'est elle que tu appelles Soweto. Merci. Ok, donc on va dire les filles de rue. On grille comme ça. Voilà, t'inquiète pas, on est de grandes personnes, on a compris. D'accord, mais qu'est-ce qui te motive pourquoi ce thème? Pourquoi t'accentuer sur ce cas de ces dames-là? Ben parce qu'elles sont marginalisées. Mmh. D'accord. On n'a pas un regard sur eux. Pourtant, elles font beaucoup pour nous les jeunes. Jésus! Je ne m'attendais pas à ça. En fait, tu sais... T'attends, parce que là, tu t'es renfermé. Je comprends pourquoi est-ce que tu as fait ton rythme. Voilà, attendez, les gars, laissez-moi respirer. Attends, non, mais t'es incroyable. Je me suis dit, là, elle me dit, bon, tu sais, quelque chose qui arrive, il ne faut pas juger quelqu'un, chacun a ses choix. Ouais. Et il ne faut pas juger, en fait, quelqu'un sur la forme, mais plutôt dans le fond. Mais là, elles font beaucoup pour la nation. Là. Bon, en fait, loin d'encourager, hein, cela... J'espère que tu n'encourages pas ces dames, s'il te plaît. Loin d'encourager, mais je comprends fermement ce que tu dis, hein. Pas pour les encourager en fait. Mais déjà, c'est pour reconnaître ce qu'elles font en fait. Ouais. Et les pousser, pourquoi pas, à quitter dedans. C'est ça. Okay. Et à avoir un œil sur eux en fait. Ouais. D'accord. Elle, d'accord. Mais pour qu'elle quitte dedans, il faudrait que vous aussi vous arrêtez de partir là-bas et de croire qu'elle rend un service à la nation. D'accord. Ah, mais attention là. Non, sérieusement. Alors, regarde. Oui, Soweto est sorti. C'est quoi la suite, les projets pour le fin d'année? Est-ce qu'on aura droit à un autre single en dehors de Soweto? Tout ça. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu, on aura peut-être d'autres sorties. D'accord. Mais d'abord, je suis la promo du clip que j'ai réalisé avec des frères qui bossent avec moi, que je salue au passage. D'accord. Ceux qui ont bossé sur la réalisation de clip. Voilà. Alors, pour tout booking, merci en tout pour cas. Tout booking, pour tous ceux qui aimeraient te caler pour des événements, même si tu es quand même renfermé sur toi, je suppose que tu as du temps pour aller prester. Bien sûr, super. Ça fait partie du taf. D'accord. Alors, donc, un contact pour ceux qui aimeraient te booker. Déjà, c'est quoi? C'est inciter les gens à aimer la musique que nous faisons. Ok. Voilà. Donnez-nous des coups de pouce. Allez-y, vraiment, partagez nos œuvres que nous réalisons. D'accord.
Donc sur ce, je suis disponible sur les réseaux sociaux, sur le nom de EasyBay, Facebook et YouTube. Et sur contact, c'est sur le 70 17 64 et 53 à la fin. Et je répète, 70 17 64 53. Alors, on n'oublie pas qu'il y a un EasyBay aussi au Cameroun. Donc, il faudrait faire beaucoup attention. C'est un frère que je salue. Voilà. Puisque j'ai vu, il s'appelle EasyBay. Je dis, mais tiens, un frère qui porte le même nom. Et qui fait le même style aussi de musique. Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention. Pour nous, là, il est au Burkina. Je dis, moi, je suis EasyBay du Burkina. Okay. Toi, tu es EasyBay du Cameroun. Mais avec l'aide de Dieu, on va faire un truc ensemble. Un beau futur de EasyBay. Alors, EasyBay, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. Tu ne bouges pas. Avec toi, je fais la conclusion. Merci. Une fois de plus, joyeux anniversaire, mon gars, tout le bonheur du monde. Merci. Rendez-vous demain, les mecs 12h. Merci beaucoup. Merci, frère. Cette semaine, on retrouvera Césaire à la réalisation. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à toute l'équipe aussi. D'ici là, prenez soin de vous. On n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bise. Merci de rester chill. Car vous êtes sans chill, il n'y a pas de Mac 12. Vous a été offert par Chill. Au citron.